Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la fin de saison avec la carrière joueur, donc avec Manchester. Il nous reste plus que 3 matchs, donc on s'était quitté sur ce match cruel auquel je vous invite à aller voir l'épisode si vous ne l'avez pas forcément vu. Et donc aujourd'hui on affronte Stoke City, Tottenham et Watford, donc c'est les 3 derniers matchs de championnat. Donc on va pas finir dans les 5 premiers puisqu'il reste 3 matchs, il reste 9 points, donc il faudrait gagner les 3 matchs. Et encore, même en gagnant les 3 matchs, ça annonce compliqué. On peut voir que bah, c'est d'ailleurs Stoke City qui est 5ème avec 54 points, donc les 5 premières places on oublie. Donc voilà, on va essayer de finir on va essayer de finir 10ème quoi déjà. Franchement 10ème ça sera pas mal, mais ça va être une saison compliquée. Enfin en tout cas, moi quand j'ai rejoint Manchester, ils étaient 15ème. Donc on a réussi à les refaire monter de 5 places, c'est tout. Arsenal qui arrive à se sauver avec 40 points puisque le premier relégable il a 34 points. Donc je pense pour Arsenal ça va le faire. Mais ils ont quand même eu chaud. Donc du coup voilà, on est parti donc pour ce match contre Stoke City, Tottenham et Watford en championnat. Alors, le joueur à suivre, Anthony Martial. C'est vrai qu'Anthony Martial fait une bonne saison. Enfin en tout cas, à chaque fois qu'on faisait des matchs, il jouait plutôt bien. Donc franchement, Martial, rien à dire. Même si on parle de transfert du côté d'Anthony Martial, alors qu'on peut voir qu'il y a Inboula. On a pu apercevoir Inboula hein, qui joue à Stoke City, qui sera titulaire. Alors, la compo de Manchester, ça reste du normal. Voilà, il y a juste Harry Kane en pointe à la place de Dybala. Et sur le banc, on a Pogba, Griezmann. Ouais, on a quand même Pogba et Griezmann sur le banc. C'est Pogba, il joue de moins en moins, c'est assez bizarre. Et Djenali Inboula, voilà, il est présent avec le numéro 21 au milieu de terrain. Allez, on est parti. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai changé mes chaussures avant de lancer le match. Donc j'ai mis les Adidas jaunes. C'est vrai que je change assez souvent, mais... Allez, attention, il sera voilà, j'ai décidé de mettre les jaunes, je pense, pour terminer la saison. C'est pas mal, ça. Ah, ça ne passe pas. Anthony Martial. Allez, Martial, bien joué, ça, là. Bien joué. Alors, c'est dommage que Pogba ne soit pas titulaire. Oh, on est passé, là. Le centre. Ouh là là. Que Pogba ne soit pas titulaire parce qu'il est important. Enfin, il récupère pas mal de ballons au milieu de terrain, donc c'est vraiment dommage. Je sais pas ce qu'ils ont, les joueurs, à garder le ballon comme ça à chaque fois. Allez. Oh, dommage, la perte de balle, là, il y avait quelque chose à faire en profondeur. Bien joué, la petite passe en talonnade sur Martial. Oui, entre les deux. Non. Pourquoi à chaque fois la passe, elle est forte? Oh, c'était magnifique, cette passe-là, entre les deux défenseurs. Oh, bien joué le pressing, Harry Kane, là. Enfin, malheureusement, c'est bien, si les joueurs, ils font vraiment des bonnes choses. Hein. Allez. Une bonne opportunité, attention. Il lâche pas, et franchement il lâche pas assez vite le ballon. Oh bien joué. Oh bien joué. Oui. Bien joué Anthony Martial. Je l'avais dit, Martial il fait vraiment des bonnes choses. Et ben voilà un petit but. En plus je crois que ça fait un petit moment que j'avais pas marqué. J'avais d'ailleurs changé ma célébration. J'avais mis la vague. Regardez cette petite passe là, tout en douceur, d'Anthony Martial. Yes. Ben, ça fait plaisir de marquer. Ça fait vraiment plaisir. J'ai réussi à mettre le petit plat du pied. Avec le petit maillot à col roulé, franchement ça fait dégueulasse. J'aime pas du tout en fait le maillot à col roulé, mais bon. En Angleterre ça caille un peu. Mais voilà, 1-0, on est plutôt pas mal. 21ème minute. Alors on fera le bilan à la fin de la saison pour voir un petit peu combien de buts j'ai marqué, combien de passes décisives. Il faudra compter également que j'ai joué les matchs avec Chelsea, hein, puisque je suis arrivé à la mi-saison à Manchester. C'est pas mal ça, voilà. Paf. Attention à la frappe. Bien joué, ouais, la petite frappe. Sans souci. Qui donne rien, mais voilà, ça c'est pas mal. Faut qu'on lâche un peu plus ce ballon. Bien taclé, il faut récupérer ce ballon. Voilà, 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 une touche de balle. Allez, Martial. Je suis là entre les deux si t'as besoin. Voilà. Ils font tourner, en profondeur, c'est pas mal ça. Le défenseur qui est monté. Le petit centre. Oui. La petite remise. Ah, dommage. Il n'a pas réussi à remettre. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Oh là là, et Diouf, il est vraiment solide. Hein. Sans se précipiter. Il a pas attention, non, vous m'avez marqué un but contre son camp la dernière fois. C'est bon, hein. Faut pas abuser non plus avec ça. Hein.
Diouf il tient bien sur ses jambes. Hein. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Bien joué la petite interception là qui fait du bien. Oui, on est passé, la frappe croisée. Oh putain, comment j'ai fait pour louper ça? Pourquoi j'ai frappé en force comme ça, comme un bourrin? Alors les enroulés, c'est bien, mais à chaque fois je fais ça, donc du coup en ce moment je fais pas mal de frappes croisées. Bon, enfin en tout cas en ligne ça marche, mais là ça n'a pas marché sur ce coup-là. Ah dommage. La petite remise là. Ah je m'en veux là. J'étais prêt pour faire le petit doublé. Le ballon est perdu pour tout le monde. Et là j'ai tiré vraiment comme un bourrin. Là c'est vraiment de ma faute. Les supporters qui poussent pour voir leur équipe tenter de changer. Allez, Martial, t'es pas hors jeu Martial. Ah dommage. Pogba ça y récupère ça de la tête, voilà. Bien joué. Bien joué là-bas. Allez. La petite remise. Oui, oui. Je sais pas ce qu'il y a eu là, il y en a eu un peu de mal, mais voilà, Martial a marqué son petit but. Ça fait plaisir. Franchement, Martial, je le kiffe, hein, vraiment. Bon, malheureusement, ça me fait pas une passe décisive, mais Pogba, il a loupé le ballon. Je sais pas si Pogba, il la touche ou quoi. Je sais pas si ça va compter comme passe décisive, on verra après, à la fin du match. Mais il me semble qu'il la touche, donc c'est un peu dommage. Alors Antoine Griezmann il n'est pas rentré en jeu, c'est bizarre d'ailleurs, ils ont laissé Martial. Enfin non, Griezmann je crois qu'il rentre du côté droit, il me semble, je sais plus. Bon bah voilà, victoire 2-0. Bon ça s'est un peu emballé en fin de match comme d'habitude. Ça s'emballe toujours un petit peu en fin de match, mais voilà, on a marqué un petit but. Martial il a marqué un but, donc je suis vraiment content pour lui. Et on prend 3 points. 3 points importants, de toute façon l'objectif c'est de gagner également les deux autres prochains matchs. Mais déjà 3 points pris sur les 9 points qu'on a à prendre. Alors les autres résultats, on peut voir que donc Manchester City a fait 1-0 contre Norwich et Crystal Palace Arsenal. On voit pas le résultat, donc ils n'ont pas encore dû jouer le match. Donc ma passe décisive en fin de compte, il n'y en a pas. Donc c'est bien Pogba qui a touché le ballon avant que Martial mette le but. Alors le prochain match contre Tottenham. Donc on va voir au niveau classement, on va chaque fois faire un petit point classement. Comme là c'est vraiment la fin. Ah bah je joue pas le match contre Tottenham. Ah bon bah on va le jouer, on va le simuler. D'accord. Bon ça c'était pas prévu par contre. Wayne Rooney qui est titulaire, Dybala. Voilà, ils ont. Ah oui, l'entraîneur il a fait pas mal tourner là. Il a fait pas mal tourner. Pogba, Griezmann toujours sur le banc. Et voilà, 1-0, c'est Pastore d'ailleurs qui marque. On égalise, c'est bien, Rodriguez. Et nous on perd 2-1. On va perdre ce match. Et voilà, fin du match. On perd 2-1 contre Tottenham. Bon, on a pris 3 points et on a perdu 3 points. Comme ça, au moins, c'est super. Alors, espérant que je joue quand même le dernier match de la saison. Sinon, ça s'annonce compliqué quand même. Non, moi, je devrais le jouer, ce n'est pas un souci. Le dernier match de la saison. Donc, nous sommes 8e. Nous sommes 8e. Donc, voilà, on aurait gagné face à Tottenham. Il y avait peut-être moyen de... d'être au moins 6e. Hein. Bon, là, du coup... Si on prend 3 points, ça nous fait 55 points. Donc si Leicester et Stoke City font pas des bons résultats, on peut être 6e. Mais ça s'annonce quand même vraiment compliqué. On peut voir qu'Arsenal, donc du coup, ils ont 41 points. Donc on connaît les relégués. Donc c'est dommage quand même d'avoir perdu ce match contre Tottenham. Donc du coup, on est parti de nouveau pour ce dernier match contre Watford. En espérant faire un bon match. Pourquoi pas une passe décisive, pourquoi pas un but. Voilà, terminé sur une victoire. Allez, dernier match de la saison. Donc il n'y a eu que 2 matchs, hein. J'avais prévu 3 matchs, hein, puisque je pensais vraiment jouer ce match contre les Spurs. Mais du coup non, en fait pas du tout. Donc bon, on va jouer contre Watford. Je les vois aujourd'hui faire un petit nul, mais pas plus. Auquel il y a Capou, il me semble, c'est ça, ouais, Capou qui joue là-bas, qu'on espère accrocher à 3ème place. Tain, mais c'est qui ce nul? On a un joueur avec le numéro 58, je sais pas du tout qui c'est. Alors du coup je vais vous laisser la compo puisque je ne vous l'ai pas fait forcément montrer. Oh, ils ont des têtes, sincèrement. Alors la composition. La composition de l'équipe locale qui... Ah oui, il y a des petits nouveaux là. Il y a des petits nouveaux. Il me semble. Ah oui, c'est Paul. Je sais pas qui c'est qui, mais c'est un défenseur. Voilà, avec le numéro 58. Je sais pas qui c'est. Bon, toujours pas d'Antoine Griezmann de titulaire. C'est dommage. Et du coup, c'est. Et voilà, Étienne Capou. Je me rappelle plus de son prénom, Étienne Capou.
qui est titulaire. Allez, en espérant terminer sur une belle victoire. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai encore changé mes chaussures. On va terminer avec les petites Adidas rouges. Bon, c'est pas du tout le même rouge que le maillot, mais bon. Tant pis, c'est pas forcément grave. On a Harry Kane par contre qui a la pointe de l'attaque. Là, bien joué. Hop, dans la surface. Allez, Harry Kane, tu frappes, non? Oh, l'une, deux. C'est magnifique. Oh, mais qu'est-ce qu'ils ont à faire des jolies combinaisons comme ça? Putain, ils n'ont presque pas fait de la saison et dernier match. Ils font des belles choses, quoi. Sans déconner. Regardez ça. Ils jouent tous les deux en 1-2. Moi, bon, j'étais prêt à la reprendre, mais bon. J'étais juste derrière pour la reprendre de reprise. Oh, magnifique. Magnifique. Franchement, je kiffe quand ils font ça. Et ben voilà, 1-0, 5ème minute. Et ben ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est bien, une touche de balle. Ils font des bonnes choses vraiment à la fin du. Oh là là, c'est bien fait ça aussi. La passe, par contre, je suis un peu tout seul. Ça va être repris. Bien joué. Hop. Entre les deux. Harry Kane, la frappe. Oh là 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 là. Non, mais ils sont complètement fous. Harry Kane pour le 2-0. Ah, mais là, ils sont chauds. Là, ils sont chauds pour ce dernier match. Harry Kane, magnifique. Et il l'a même pas enroulé. Hein. Il l'a frappé coup de pied comme ça. Bim. Pleine lucarne. Et Harry Kane, il a l'air d'être fort en dehors de la surface. Il me semble qu'il doit pas avoir pas mal en frappe de loin. Ben voilà, ça commence bien. Ça commence bien. Alors, est-ce que je vais réussir à faire une petite passe décisive ou marquer un but? Il est fort possible que je puisse marquer un but quand même dans ce match. Bon, on commence bien, mais bon, on sait jamais. Hein. On sait jamais. Harry Kane, encore, il est bien placé. Hein. Dommage. Franchement, il est bien placé, là, Harry Kane. Il se place plutôt pas mal. On est parti. Paf. Oh là là, je suis réussi à passer là. On avance. Est-ce qu'on y va tout seul? Vas-y, on y va tout seul. Ah, dommage. J'aurais dû me remettre sur mon pied droit là à ce moment-là. Il y avait peut-être quelque chose à faire, ouais. Du pied droit. Bon, tant pis, c'est pas forcément très très grave. Oh, c'est bien fait ça, la reprise. Ouais, j'étais un peu loin, quoi. Un peu loin du pied gauche. C'est pas trop ça, du coup, corner de l'autre côté. Est-ce qu'on va avoir un triplé d'Harry Kane? C'est fort possible ça. C'est encore sur moi ça, non? C'est. Oh là. Oh non, mais ils nous marquent des buts de malade là. Mais d'où ils nous mettent des buts comme ça? Sans déconner. Voilà. Ça, c'est le Manchester United que j'aime. Enfin un match plein. Enfin un match auquel on joue bien. Et en plus, moi, je fais rien. Franchement, je fais pas grand chose. C'est eux, ils se créent leur occasion tranquillement. Magnifique. 2-0. 3-0 plutôt. 3-0. Alors, je connais pas du tout le joueur qui a marqué. Mais en tout cas, pour l'instant, on est plutôt pas mal. Hein. On est plutôt pas mal. Oh putain, là, on va reprendre. Faut vraiment que je marque dans ce match, bordel. Il va y aller. Je remets mes sur le pied droit, l'enroulé. Oui. Le voilà, mon but. Je savais, il fallait que je me mette sur mon pied droit. Et la petite vague. Et voilà, 4-0, 28ème minute. Et bon, on la termine bien cette saison. On la termine bien. Qu'est-ce que c'est bien joué, c'est finement joué. Il a vu le placement du gardien, il a bien fait. Ouais, j'ai eu quand même de la chance. Hein. Le ballon, il passe entre les jambes. Même, je pense que je l'aurais pas enroulé. Je pense que c'était bon. Voilà, 4-0. Bon, après, ensuite, on ira voir combien de buts j'ai marqué, etc. Combien de matchs, voir le classement final. Alors, j'ai été voir également un peu les classements dans les autres championnats. Donc, on a Paris qui est champion en Ligue 1, avec Lyon qui est deuxième, Nice troisième, Marseille, ils sont huitième, je crois, ils finissent huitième de la Ligue 1. On a le Real qui est premier, Barcelone, ils ont fini que troisième ou quatrième, il me semble. Allez, Martial. Là, Martial. Ouais. Pouh, il est magnifique. Extérieur du pied. 5-0. 5-0 la 34ème minute. Ah, bordel, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir une équipe comme ça qui joue. Ah, ça me rappelle l'époque du Barça, vraiment. Superbe conclusion, vraiment.
c'est bien simple, tout y est, tout y est. La vista, la lucidité, le fond droit, la... Voilà, petit extérieur du pied. Impeccable. Alors combien de buts j'ai marqué en championnat? Voilà, c'est mon 10e but. Mon 10e but en première ligue. Et bah franchement, tout va bien. Tout va bien. Franchement, c'est la folie. C'est la folie. 5-0. Bon, ensuite Watford, je sais pas combien ils sont au classement, mais il me semble qu'ils sont en bas du classement. Enfin, je suis pas sûr, mais il me semble qu'ils sont relégables. Je suis pas sûr. Faut que je retourne voir le classement. Pourtant, j'ai été le voir il y a pas longtemps. Non, oui, non. Une belle action, totalement gâchée, hélas. Non, j'étais pas loin du doublé. En fait, j'étais surpris de pouvoir me retourner comme ça et de pouvoir tirer. Oh, le poteau, par contre. Non. Ah, j'ai clairement été surpris en fait de pouvoir me retourner comme ça. Je m'y attendais pas à pouvoir passer. Il y a 4 minutes avant la fin de la première période et 5-0 quoi. 5-0, je crois que c'est la première fois de cette saison auquel je mets 5 buts en une première période. Il me semble qu'à Chelsea ça s'est pas arrivé, ni avec le Barça. Peut-être avec le Barça aussi quand même. Ça se pourrait peut-être, mais on est plutôt pas... On tente la frappe de loin. Qui nous... Ouh, c'était pas mal ça. Allez, corner maintenant. C'était pas mal. Ouh là 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 là. La boulette du gardien là. Bon, c'est la mi-temps. Fin de la première période. Et ben on est plutôt bien. Franchement, on est plutôt bien. Allez, début de la seconde période. On peut voir Pogba qui rentre. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a là l'espace en fait. Oh là là, Martial. Ça d'habitude je le fais pas, la petite remise en arrière. Là je le fais. Je sais pas pourquoi. Ouais, je prends également. Enfin, les joueurs font vraiment des bonnes choses et moi je fais également des bonnes choses. Donc là tout va bien. Tout va bien. Bon, dommage que Martial n'a pas réussi à... Regardez la tête de ce joueur, il est vraiment bizarre. On a Griezmann qui arrive en plus. Oh, Pogba, Griezmann qui rentre. Et pourquoi pas un but de la tête. C'est dégagé. Ouf, c'était pas loin de moi ça encore. Hein. Griezmann. Oh, j'ai réussi encore à me retourner. Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Oh là 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 là, j'aurais dû l'enrouler. Est-ce qu'ils vont le... Allez, il y a quelque chose à faire là, Grisou. Allez Grisou, je suis là si t'as besoin. Paf, en profondeur là. Oh la faute, oh. Il va y avoir un bon coup franc. Coup franc? Déjà j'étais pas sûr qu'il y avait faute. Je pensais qu'il y avait même penalty, mais il tombe quand même assez facilement, Anthony Martial. Moi, je voudrais bien voir le ralenti quand même, hein, parce que regardez, il fait la passe. Ouais, enfin pour moi, il n'y a pas faute, mais bon. Écoutez, un coup franc. Ah bah, Grisou nous met un, oh, mets-nous un beau coup franc pour finir en beauté. Non, malheureusement, non. Ça aurait été trop beau, je pense. Je sais pas ce qu'il nous a fait là. Il l'a tiré à ras de terre, il me semble. Non, ah non, il touche le mur. Ouh, oui, elle touche le mur. Bah, heureusement, parce qu'à mon avis, c'était dedans, ça. C'était dedans. On va rester en dehors de la surface, on sait jamais. Si le ballon, il revient. Dommage, la tête de Griezmann. Hop, Pogba. La Pogba, la frappe de loin, là. Non, la petite remise. Dommage, oui, ça passe. Ça passe. Oh, elle a failli marquer, là. Ils étaient en panique en défense. Hein. De nouveau un corner. Ouais, la frappe. Oh, les corners sont plutôt bien tirés. Il y a tout le temps quelqu'un à la retomber là. Ils construisent, ils font tourner. Bien joué Pogba. Qu'est-ce que tu fais Pogba? Oui. Avec un tir. Oh non, je suis trop précipité. J'ai reçu le ballon, bim, j'ai tiré direct. Oh là 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 là, dommage. 3 minutes de temps additionnel. Bon bah on n'aura pas marqué en deuxième période. C'est un peu dommage, j'aurais bien voulu quand même marquer un petit but ou qu'on marque un but. Quoique. Griezmann. Bien joué. Bien joué. Oh là là, l'occasion. Ah, j'ai tenté trop tout seul là, il y avait Griezmann, il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire. Là, mauvais choix par contre. Mauvais choix, mais bon, on gagne 5-0. Et bah, ça fait du bien quand même, terminer sur un match comme ça. Franchement, ça fait du bien.
Maintenant, nouvelle saison, on va essayer de débuter. Bah, je pense qu'on peut, faire un bon classement. Après, moi, je suis arrivé à mi-saison. On est arrivé... Oh, j'ai tiré 10 fois. 2 buts. Je suis arrivé en cours de saison. Donc, je suis arrivé à la mi-saison. Ils étaient 15e. Donc là, je pense que refaire une saison depuis tout le début avec Manchester, il y a peut-être moyen de bien se classer au niveau du classement. Bon, le problème, c'est qu'on jouera pas la Ligue des Champions ni l'Europa League. Alors, on va voir du coup combien de buts j'ai marqué, etc. dans ce match. Donc, on finit 6e. On finit 6e. C'est plutôt pas mal en fin de compte. C'est plutôt pas mal, on finit 6e quand même, dans auquel on avait quand même, j'avais rejoint l'équipe, ils étaient 15e. Franchement, on est à une place de l'Europa League, c'est vraiment dommage, ils avaient quand même 9. Enfin,